connais même pas. Tu connais pas mes couloirs. Tu as pas confiance en moi. J'ai confiance. Mais personne ne le sait. Tu joues. Maman, c'est celui que je t'avais dit là, non, dernièrement, là, celui qui m'a joué au téléphone. Est-ce que je dors? Pas fréquenté. Ça veut dire qu'on vive ensemble, toi et moi. Comme mari et femme. C'est ça. Hein? Je ne sais pas. Ou c'est un sentiment comment dès que je t'ai vu. Tombo, t'es comment? Tu fais quoi pas ici? Tu appelles qui Tombo? Je ne suis plus avec ta sœur. Donc, tout ce que vous avez fait, pardon, le chemin n'est plus le chez-elle. Moi, je suis responsable de quoi? Dans ce qui s'est passé avec ta femme. Je suis responsable de quoi? Tu me vois, tu m'agresses. Même si le mariage est fini, les liens de parenté restent. Hein? Mes parents ont mangé ta dot. Lien de quelle parenté? J'ai mis dans ma tête que la dot que j'ai versée chez vous, c'est l'argent que j'ai perdu, c'est tombé. Quelqu'un d'autre a ramassé. Moi, je n'ai jamais été d'accord du fait que ma petite soeur soit sortie de chez toi. Mon Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais été d'accord. Si je n'étais pas cherchée depuis ce temps, c'est parce que moi-même, ça ne me laisse pas avec les enfants. Sinon, je serais déjà venue te demander ce qui s'est passé. Mon Dieu m'est témoin. Pardon, vous êtes les patates de même sion. Tu as compris? Vous êtes les patates de même sion. Même si tu veux, tu arrives chez toi. Tu dis à ton père que je ne suis plus avec ta soeur. Quand elle était chez moi, elle pouvait faire quoi? Elle pouvait faire quoi? Je n'ai rien à dire à mon père. Je n'ai rien à dire. Vous allez aller finir comme vous avez commencé. Ne me mêlez pas. C'est pas parce que tu parles depuis que je te réponds pas. Hein. Ne me mêlez pas là-dedans. J'ai mes problèmes, vous avez le vôtre. Oui. Vous vous êtes rencontrés, je n'étais pas là. Et si vous voulez vous séparer, ne me mettez pas au milieu. Ne me mettez pas au milieu. Ça ne te concerne pas. Ah bon, hein? Ah bon, bon. Tu as un vieux clou comme ça, là. Qui est vieux clou? Qui est vieux clou? Patate de même sion, qui est chez vous est mariée, jusqu'à elle est dans le mariage. C'est hey boy. Ouais. Comment t'es niaise là comme tu es quem dans mon terre là maintenant? Il semble que tu ne vas pas me bringer les matas dans mon terre. Non, Zenda, tu sais que là-bas les gars me parlent. Non, parce que si ce n'était pas mes talents de cafouillage, faufilage, là, c'est qu'à l'heure que les gens gâtent. Tiens, non. Heureusement, ma taille m'a sauvé. J'ai faufilé dans les airs comme ça. C'est pour ça que tu as toujours dit que ta taille, c'est un inconvénient pour le boulot qu'on doit. Comme tu es long, là, menacé par le vent. Eh, ne me diam pas le respect, Pen. Tu n'aimes pas me diam le respect dans mon terre. Parce que même ma taille que tu n'y es là, non. Il y a les avantages de ma taille. Quelque part, on va arriver quelque part. C'est moi qui dois te choisir pour te foutre en haut parce que tu ne pourras pas escalader. Ton Wesley là, c'était moisier ou tu as trop laissé faire manquer. Ben, laisse-moi seulement le répé qui me livre ça maintenant. C'est comme si le répé la bolosse avec l'engrais. Tu dates même 5 gays, tu ne y as rien, mon frère. Avant, quand tu prenais même un seul, tu étais bon. Oh, attends, gars. Tu as quoi avec les crashs partout, non? Maintenant, les filles viennent ici partout. Non, ouais, d'abord, il y a d'abord un dossier avec l'angassi. Moi, je t'ai cherché depuis. Didier, t'es à chercher partout. Je suis parti là-bas en bas où on s'assoit souvent, où il y a les bananiers là. Je n'étais pas vu. Je repars au chantier du Pembo qui est là-bas en bas. Il ne te voit pas. Donc, c'est qui ici là que tu es? Je te cafouille depuis, j'ai d'abord un dossier avec toi. Tu me trompes, Mylène. Mylène, tu me trompes avec all les way que je doux pour toi. Tu me trompes.
Maintenant, toi, tu me cherches par rapport à quoi? Je voulais qu'on parle d'un truc sérieux. Moi, je suis pas sérieux. On va parler devant le gars là. Oh, je sais mon tatate. Mais dis qu'il prend en cause, non? Il veut qu'on cause d'un truc sérieux. Dis-moi ce que tu vas me dire. C'est comme si quand il a c'est comme s'il y a le papillon qui font comme ça sur mes yeux, les papillons. Oui, ouais, d'abord, non. Elle a un dossier qu'on doit gérer. Dis alors, tu veux dire quoi? Dis qu'il prend en cause. Si tu ne veux pas me dire, moi, je vais te dire ce que tu veux entendre. Moi, d'abord, ton bar depuis un certain temps. Tu as alors. Il y a quoi, non? C'est le nouveau gay comme un chat. Il a attaché son pantalon avec quoi comme ça? C'est ça que tu voulais me dire, Zinga? Moi, ton malin, ne fais même pas échanger Lyon une fois avec toi maintenant. J'espère que Blanche t'a dit qu'elle te cherche. Didier, pardon, laisse-moi les histoires de Blanche. Moi, je suis venu te voir pour qu'on cause un truc très sérieux. Vas-y, parle alors, Etéa. Tu sais que ça fait il y a peut-être 2 ou 3 mois, moi, il ne voit pas moi mes mensonges, non. Ok. Donc, tout ce que j'ai dans les carreaux là, c'est vrai. Tout ce que j'ai entendu dans les ragots là, c'est vrai. Tu as entendu dans les ragots comment? Mylène, tu es enceinte, non? Ça se voit déjà, Didier. Ça se voit déjà que tu es enceinte. Mylène, j'ai cassé plusieurs portes pour toi. J'ai choisi le téléphone pour toi. J'avais tous les projets du monde. J'ai dit que je vais te louer une chambre avec une piscine à l'intérieur, VIP, rien que pour toi. Tu endèmes tous mes projets pour comment tu avais le ventre là. N'est-ce pas? Blanche. Jusqu'à tu pas faire l'enfant avec lui. Hey. Je suis sûre que c'est Blanche qui est venue te raconter les histoires comme ça. Je suis sûre que c'est Blanche. Hey, Blanche. Hey. Tu sors d'abord avec le ventre là où tu le sors. Ouais, Didier, je suis sûre que c'est Blanche qui t'a dit non. Mais. Oh, mon web programmé que j'ai dans 5 ans que je vais faire l'enfant. C'est dans 5 ans que ça peut commencer à doux les enfants. Si tu me dis déjà que c'est moi qui t'ai belé maintenant, c'est qu'il y a erreur. Je sais pas toi qui m'as belé, qui m'a allé belé. Vous cherchez le père de ton mouna. Je vais chercher la banane, mon cerveau fait déjà. Il faut que ça rentre. La banane, ton truc là, c'est. Mais tu as dit qu'on avait bolo, ça avait les engrais. Maintenant, ça te bolo déjà. C'est comme si il y avait la moisissure sur ça. Toi aussi même. Vous même. Moi, je suis d'abord là avec l'angassi. Elle veut me bringer un faux feeling. Tu vas reconnaître le père de ton mouna. Ouais, pardon, attends, il m'assoit en cause, pardon. Attends, il m'assoit, t'explique bien. Je ne suis pas avec toi, ouais, père. Ouais, Didier, attends, il m'assoit en cause. Non. Didier, regarde. Bébé, regarde-moi. Tu vois la cicatrice ici? Ça, c'est le grillage, le fil barbelé. Laisse-moi t'expliquer. Bébé, quand toi-même, tu vois Blanche comme ça, Blanche ressemble à une fille qui veut mon. Laisse Blanche en dehors de tout ça. Le gros ventre, là, fait quoi dans toi? Quel gros ventre? Le gars que sa mère vend le coquille là-bas en haut. Tu joues quoi avec lui? Quel gars comme ça? Mais Didier, quel gars comme ça? Il y a quoi avec toi, non? Quel gars comme ça? Tu fais comme tu fais l'embout. Tu n'es pas embouté. Mais. Hey, Didier, je vois le gars que tu dis là. Je vois le gros gars que tu dis là. Didier, attends. Mais regarde toi-même ton charisme. Toi-même, regarde le gars là. Mais quand toi-même, tu regardes le gars là. Si il montait sur moi, c'est que tu as un par la mort que tu m'as. Lui-même, il m'a confirmé. Le boy, il m'a confirmé. Le boy m'a confirmé que toi et lui, vous gérez déjà. Maintenant, toi, tu vas encore nier maintenant. Il me confirme, Blanche me confirme, donc tu es la seule personne qui veut me mentir. Tu vois le mois où on t'avait mis en cellule là-bas. Tu vois le mois là, non? Le mois où on t'avait mis en cellule, moi j'étais déjà enceinte de 2 mois. Maintenant, le gros là est venu quand il m'a flatté qu'il peut faire, que comme son père est un ancien gardien de prison, que son père peut t'aider à sortir. Du coup, les deux autres mois là, j'ai fait avec lui, tu vois un peu. Donc, toi, tu m'as enceinte pour 2 mois et lui, il m'a aussi enceinte pour 2 mois. C'est pour ça que je suis à 4 mois de grossesse. On a partagé les mois. Oui. Nga, tu as school, quelle école? Je suis super inspiré. Même le gay. Même le gay qui est Dax, sinon père. Ça me donne le spirit. Tu ne peux pas me mentir jusqu'à ce niveau, père. Je suis en train de te mentir. Tu m'as enceinté 2 mois. Il m'a enceinté 2 mois. Mais ça, c'est une nouvelle grossesse. Ce sont les options des grossesses. Tu as non? Ce sont les options des grossesses que toi, tu veux dire à me commenter là. Tu as non? Dis-moi, ça me fait mal que toi, tu. Ça me fait mal que tu penses qu'il peut avoir l'enfant de.
Je ne sais pas comment, je ne sais même plus quoi dire, j'ai même perdu les mots. Je ne suis pas le père de ton Mouna. Tiens, non. J'avais les projets pour toi. Mon oué est programmé que ça peut doux le Mouna dans 5 ans. Toi, tu viens m'anticiper ça maintenant par rapport à... Donc, le gros gars là dit que lui, ils ne sont pas fertiles chez eux. Toi, ton oué est programmé. Finalement, qui m'a allé enseigner? Vous voulez même quoi? Ça, c'est même quelle histoire, ça? C'est toi qui connais la situation. Je prends l'argent de ma mère, viens te donner. Je prends de la nourriture chez nous, je viens te donner. Tout, je viens te donner. C'est même une histoire de quoi? Ah non, non, je suis pas sûr. Tu sais comme ils ont débattu là, moi, ils voient ma mère. Père Go. Moi, ils ont débattu, voient ma mère. Vois ta mère, veux même pas que ta mère qu'elle me dise en voiture, ah non. Si tu veux, tu vomis même. Ben. On vous laisse. On dit que go au school, tu refuses de go au school. Tu kèmes tes choix même pour t'encadrer. Et tout moi même, je ne fais rien. Tu viens maintenant me dire que j'étais belé. 14 personnes te belé au même moment. On se partage les mois. Tu as 4 mois de grossesse. Donc moi, j'ai belé 2 mois. Le ventre là aussi belé 2 mois. Mais ça, les options, hein. Le tout sinon, tu as tapé pour tout faire. Pour avoir que Hugo soit un autre gris. Vanessa. Tu sais, à chaque fois quand je suis avec toi, c'est comme si je suis sur les étoiles. Ouais. C'est comme si je suis sur les étoiles. Même si je pouvais chasser ce qui est chez moi là, je viens rester avec toi. Je devais être content. Hmm? Mm-hmm. Tu sais que tu m'as promis un truc. Hein? Quoi? L'argent de la semaine. Hey, Vanessa. Mais même si je te donne toute ma fortune, non, je ne regrette pas. Un bon bébé. Je ne dois même pas regretter. Bébé, je t'aime trop. Je t'aime. C'est ça, non? J'espère que ce n'est pas seulement ce que les filles font ici dehors. Que, oh, je t'aime trop parce qu'ils veulent l'argent, là. Non, non. Et hey, moi, tu n'as pas confiance. Et hey, qui, avec tout ce que tu fais là, bébé? Fais-moi un truc. Tu fais un truc. Voilà. Là, quand tu fais comme ça, j'entends comment ça tape ici. Mouang! Je suis content. N'est-ce pas? Les deux n'allons, non. On a de la tournée. Ah, c'est le dollar. Tu fais quoi comme une petite fille? Je n'ai pas le temps de changer. Donne-moi le liquide, non. Je n'ai pas le temps d'aller changer ça. Ça, ce n'est pas le liquide. C'est pas le liquide ici, là. Donne Marie Ngombe, toi aussi. Quand Marie Ngombe, là, doit mourir, je vais voir comment... Ah, ça va. Bébé! Elle est encore... Ça va. Je dis, hein? On se voit quand même. Quand tu voudras, mon fils, je suis toujours disponible pour toi. Il n'y a pas. Yeah! Bonne nuit, premier bébé! L'amour! Je te fais compter tes temps un jour dans la maison, fille. J'ai comme l'impression que tu vas pas me mesurer, hein? Je suis pas ton égal. Maman, qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que tu réclames à cet enfant? Tu réclames quoi à cet enfant? C'est vrai, je suis sûre. Si c'est ma part, c'est qu'on a mis ça à Canada partout. Je vais crier, je vais te dire que je vais crier. Parle doucement.